Écrire une chanson, je dis souvent que c'est comme attraper des courants d'air avec un filet à papillon. Respect, c'est le ciment qui tient la pierre, invisible grain de poussière, mais qui tient la maison debout. C'est pas mal, hein ? Et en même temps, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très, très concret. On construit quelque chose, une image de l'univers, et à travers l'action, autant qu'à travers l'écriture. Respect. C'est l'inconnu qui vous regarde et qui prie pour que Dieu vous garde comme un cœur qui battrait pour deux, un ami qui vous suit les yeux. Je te connais pas mal. Cet album ne ressemble pas aux autres. L'écriture ne ressemblait déjà pas aux autres parce qu'elle est quand même... elle s'est produite dans un contexte qu'on partage tous en ce moment, qui est le contexte... De cette mutation de notre société, de cette angoisse dans laquelle on vit avec les attentats et les menaces terroristes, et cette période où tout est en train de changer sous nos yeux et où un monde nouveau est en train d'éclore, une sorte de foisonnement qui est en train de se faire et qui a été aussi un foisonnement d'écriture, une urgence, une sorte de priorité. Le début de l'humanité. J'ai le sentiment qu'on est peut-être un grain de sable, parce qu'il faut beaucoup d'humilité, mais, ou une goutte d'eau, mais que j'ai envie de peser de tout mon poids de grain de sable et de goutte d'eau à travers une chanson. Une chanson, c'est pas grand-chose dans ce qu'on vit en ce moment, mais c'est quand même très important, parce que ça a ponctué nos vies, que ce soit un hymne guerrier ou une complicité, le temps des cerises pendant la Révolution. C'était un signal qu'on pouvait rassembler des gens autour d'une idée. Après, écrire une chanson, ça n'est plus anodin. Respect, celui des autres et de nous-mêmes, qu'on emporte avec ce qu'on aime, au jour du dernier rendez-vous. Nous, on est amoureux de cet album, ce foisonnement incroyable qui vient de partout et qui se conjugue comme ça, comme si l'alignement des planètes s'était fait tout d'un coup, là, sous nos yeux. C'est ce qui restera de nous. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui essaie d'écrire ce qui est sous les yeux de tout le monde et que tout le monde ne voit pas forcément, parce que la vie ne conduit pas à regarder en altitude, en profondeur, mais droit devant soi, la tête dans le guidon. Donc un passant dans la rue qui voit un passeur regarder quelque chose s'arrête et regarde ce que regarde la personne et ne peut plus ne pas le voir. Ça veut dire le faire. Vraiment super. Magnifique. Ouais, superbe.